fait renaître une ancienne émission de télévision, qui plus est en la faisant changer de chaîne, est toujours un pari risqué. L'animatrice Agathe Le Caron en sait quelque chose. L'année dernière, la présentatrice de la Maison des Maternelles s'était vue confier deux programmes, Chemin de Traverse, une création, et Masterchef, un remake de l'ancien concours de cuisine de TF1. Pour cette dernière émission, le succès n'a pas été au rendez-vous. À tel point que France 2 n'a pas renouvelé le programme. Masterchef, franchement, ça m'a fait mal au cœur, reconnaît Agathe Le Caron, interrogée sur cet échec vendredi 1er septembre sur l'antenne d'Europe 1. J'adore ces émissions-là, j'adore ces grands concepts. J'étais super contente, en plus, de porter ça toute seule. Pour une fois, ce n'était pas une co-animation. J'étais très fier qu'on me confie ce gros projet. Donc j'étais déçu. Les essentielles beautés d'Agathe Le Caron Masterchef sur France 2, pourquoi ça n'a pas marché à la suite de cette interview, menée par Thomas Hill dans l'émission Culture Média, Agathe Le Caron avance une analyse de l'échec du retour de Masterchef. Il y a mille raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, estime l'animatrice télé de 49 ans. Avec des reçus et des missions, on sait bien que l'on prend des risques. Ce n'était peut-être pas la bonne place et le bon moment. Ce n'était peut-être pas une émission de France 2. Si est-il quand même une émission de télé-réalité. Et je ne sais pas si la télé-réalité, finalement, a sa place sur le service public. Si est-il une question que je pose, je n'aille pas la réponse. En tout cas, a priori, dans le cas de Masterchef, ce n'était pas le bon truc. Face à cet échec, l'animatrice télé cette question. Je ne me suis pas dit que c'était de ma faute, rassure cependant Agathe Le Caron au micro d'Europe 1. En revanche, j'ai tendance à m'investir dans l'émission à 100%, et donc aussi dans l'édito. Et donc oui, on se remet en question. Elle sort cependant de cette expérience avec une certitude, quoi qu'on fasse, ça n'aurait pas marché. Crédit photo, capture d'écran Europe 1.